Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Sable Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, on avait trouvé le cœur atomique qui était au bout du fil. Il est dans le terminal, une fente pour carte magnétique. C'est peut-être elle qui ouvre la porte. Insérer la carte magnétique. La porte s'ouvre. La ferraille récupérée par les fouilles d'épave à la multiple usage, pouvant aller de la réparation des aérocycles et autres appareils mécaniques, la fabrication de carrel. La plupart du temps, on la trouve dans les vaisseaux anciens écrasement. Dans les vaisseaux anciens écrasés. Bon. Un œuf. Peinture de carapide atomique. Encore de la ferraille. Nombreuses étincelles au niveau des fils électriques dénudés visibles autour de l'emplacement vide. Mais pour autant que je puisse en juger, ce dernier n'a pas l'air endommagé. Le coupable a fait très attention de retirer le noyau et c'est logique. Si je devais voler quelque chose d'aussi important, je ferais preuve de délicatesse moi aussi. Mais pourquoi les câbles arrachés? On dirait presque une mise en scène. J'installe un nouveau tuyau dans l'emplacement prévu à cet effet. Le bruit qu'il fait en se fixant est extrêmement satisfaisant. Je fais bien de retourner à Sandit maintenant.
Emza me dit bonjour, que puis-je pour toi, novice? Regarde le bassin d'eau tourbillonnant et leur surface scintillante qui reflète la lumière dansante. C'est une véritable source d'inspiration. J'ignore s'ils s'adressent à moi ou s'ils parlent tout seuls, mais je décide de laisser tranquille ces eaux. Je dis toujours que les artistes sont bizarres de toute façon. Ah, novice, je te félicite d'avoir rétabli le courant. Je ne sais pas si tu l'as attendu, mais il y a eu un grand vacarme après. Toute la ville était folle de joie. La routine, vous savez. En tout cas, ton aide est très appréciée. Il se penche vers moi. Et notre petite enquête, tu as toujours quoi que ce soit. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Sab? Évoquer les preuves découvertes. Qu'as-tu trouvé dans le... Tu as fouillé le cœur un petit peu. L'emplacement du nœud était en parfait état. Je lui explique que, bien que je ne sois pas expert sur le sujet, l'emplacement de noyau était en parfait état, ce qui laisse à penser que celui-ci, qui l'a débranché, savait ce qu'il faisait et ne voulait pas l'endommager. Qu'as-tu trouvé dans, quand tu as fouillé le cœur atomique? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ça? Dis, de qui tu veux parler? Hera est très puissant et serait extrêmement difficile de monter un dossier qui tienne la route contre elle. Elle aurait pu être en mobile. Profiter de la panique pour s'enchérir. C'est vrai que les gens font du stock depuis que c'est arrivé. Comment a-t-elle procédé? J'imagine qu'elle n'a pas dû le faire elle-même, en effet. Et puis elle a un alibi. Que tu veux-tu lui parler? Interroger les habitants serait au sujet de la coupure de courant. Gary lâche un grognement qui est sans doute de façon à dire bonjour. J'aurais quelques questions au sujet de la coupure d'électricité et je pourrais lui poser d'autres questions. Vous savez pourquoi quelqu'un aurait pu vouloir prendre le noyau? Il paraît qu'il y a une grosse vente au sérail. Récemment, je ne sais pas trop de quoi il s'agissait, mais ça fait du bruit, ça fait, c'est sûr, mais bon, c'est passé de toute façon. Il hausse les épaules et je cherche à en savoir davantage en lui demandant s'il sait qui était le vendeur. Pour ce que je sais, c'est un machiniste qui force un peu trop sur les champignons. Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu plusieurs personnes dire alors. Je pourrais lui poser la question. Où étiez-vous? Au café, impatient de croiser les bras, mais ça semble fonctionner sur Gary. Bon, c'est vrai, je suis un peu abattu. Ah, j'ai déjà lu ça. Déjà.
Alors, as-tu pour habitude de tenter de te faire dévorer? Je suis désolé. Je m'excuse tant et plus, mais se contentant de secouer la tête, ce n'est pas à moi que tu dois présenter tes excuses. Je te rappelle que c'est toi qui cherches à te faire croquer par cette petite chérie et nosy. Un verre, elle est sacrément forte. Tu ferais mieux d'éviter de t'approcher comme ça, sauf si tu as reçu la formation adéquate ou si tu as de quoi lui demander, à me donner à manger, bien sûr. Mais tu es novice, pas vrai? J'imagine que je peux comprendre que tu sois pas très doué avec le verre. Je m'appelle Citra. Je lui réponds que je m'appelle Sable. Elle me dit que c'est un très joli prénom, ce qui me fait rougir comme une pivoine. Mais elle n'a manifestement pas l'intention de perdre davantage de temps en mondanité. Bien, qu'est-ce qui t'amène, novice? Je peux vous aider à quoi que ce soit. J'ai la sensation que si Citra était un animal, tous ses poils se hérisseraient en m'entendant lui poser cette question. Cela me rappelle la fois où Jadis m'a expliqué combien il pouvait parfois être difficile d'expliquer de quoi que j'ai besoin. Il vaut sans doute mieux que j'essaie de voir en quoi je peux me rendre utile. Mais je pense que je suis déjà suffisamment présenté. Est-ce que j'ai besoin d'aide? Citra réfléchit en quelques instants. C'est quoi? Oui, Nosy adore les lucioles d'Akoa. Tu pouvais lui trouver quelques-unes. Je t'en serais très reconnaissant. Je lui dis que je devrais être faisable. Et j'ai décidé de ne pas lui demander de précision. Je devrais bien pouvoir me débrouiller. Je dis au revoir à Citra. J'attends toujours les lucioles. Je dis au revoir à Citra. Alors Varana se présente, c'est le représentant des prêtres de l'atomie. Décria le prêtre de la tombe, se penche vers l'avant d'une manière qu'elle trouve probablement accueillante. Et elle a sans doute raison sur ce point, je suis là. Novice, nous avons une tâche à te confier. Si tu te sens capable de l'entreprendre, si cela ne t'intéresse bien sûr. Je sais que la plupart des novices apprennent beaucoup quand on leur confie des tâches. Je n'ai jamais trop su que penser au sujet des prêtres de la tombe.
Quand j'étais enfant, je les trouvais à la fois fascinants et effrayants. Et tandis que je les voyais vaquer à leurs étranges affaires, j'imaginais des tas de choses pas louches, les unes que les autres à leur sujet. Mais aujourd'hui, je sais qu'ils constituent juste un ordre comme les autres. Ils sont juste plus sévères et dotés d'une mentalité insulaire. Ils les poussent à un degré de prudence tel qu'ils ressemblent plus à la paranoïa qu'à autre chose. Mais c'est vrai que j'apprécie comme confie des tâches. Connais-tu Lior, le Fabulus? Je lui réponds que je n'ai jamais entendu parler de Lior, le Fabulus. Alors que cette tâche est parfaite pour toi, parce qu'une fois que tu l'auras menée à bien, tu pourras dire que tu la connais. Je lui demande en quoi consiste cette tâche. Il faut que tu retrouves Lior, et quand ce sera fait, dis-lui que nous aimerions l'inviter à revenir à Incria. Elle nous manque beaucoup, en fait. Elle ne se souvient pas d'avoir jamais vu de près de la tombe exprimer autant d'émotions, et cela ne semble pas fin du tout. Du coup, j'en viens à me demander quel type de relation Lior peut bien avoir avec eux. Je lui demande de m'en dire davantage. C'est une de nos plus vieilles voix, une de nos plus belles voix, capable d'insuffler du lyrisme aux choses les plus simples. Elle sait que se faire comprendre de tout, même quand elle exprime la pensée des sages. Parfait, je lui dis que je vais essayer de retrouver Léor et prêtresse s'incline pour me souhaiter une bonne chance. Si tu ne sais pas trop par où commencer, je te conseille de voir l'aubergiste des postes de coléoptères. Et on transporte le message partout dans le monde. Je te remercie du conseil et je vais en la saluant du bras. Au revoir, Novice. C'est Rita, la propriétaire du café sur plan. T'as quelques questions au sujet de Tristé. Je ne pense pas pouvoir t'aider dans ton enquête. Vous savez pourquoi quelqu'un aurait voulu lui prendre le noyau? Ignore pourquoi le voleur a fait ça, mais je sais que c'est très mauvais pour les affaires. Je pourrais lui poser d'autres questions. Vous étiez où? Comme toujours, j'étais ici dans mon café. Je pourrais lui poser d'autres questions. Qui a fait ça à votre avis? Beaucoup de gens vont et viennent en ville. Ça pourrait être n'importe qui. Je pourrais lui poser d'autres questions. Gary se trouve dans votre café quand Tristé est coupé. Rita secoue la tête, ce qui fait que sa réponse me surprend. Ah oui, ça pourrait être là. Il y était. Comme d'habitude, il causait des problèmes. Il est arrivé sous, comme à chaque fois. Il s'est mis à insulter mes autres clients et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, il avait déclenché un autre fixe. Voilà qu'il règle la question. Gary a un alibi. Je le remercie pour le temps qu'elle m'a accordé et je m'excuse de l'avoir importuné. Oh, ce n'est rien, mais si jamais tu vois ce vieux fou, merci de lui rappeler qu'il a vite cassé et remboursé. Je pourrais lui poser d'autres questions. Salut. Il n'y aurait pas quelques carrels, un petit coup de pouce serait le bienvenu au novice. Je vais offrir une petite carrel. Merci vraiment. Bon. Les enfants blottis l'un contre l'autre gloussent en me voyant approcher sans que j'arrive à déterminer s'ils sont amusés, nerveux ou moqueurs. Dans le doute, je décide de me prendre de mouche. Tu es novice? En effet, excités, ils se mettent à murmurer entre eux. Moi aussi, je trouvais les novices fascinants lorsque j'étais jeune. Mais en voyant leur réaction, je me sens un peu comme un imposteur tout en étant un peu fier. Je peux jouer un jeu avec vous? Avec grand plaisir. On joue à cache-cache, tu connais? Je crois bien que oui. Je leur explique que j'ai joué avec une jeune amie chez moi, mais cela n'a pas vraiment l'air de les intéresser. Je me suis jamais senti aussi vieille. Dax, c'est toi qui nous cherches. On va se cacher si tu nous trouves. Je leur dis d'attendre une fois que j'aurai trouvé comment je pourrais les appeler si je ne connais pas leur prénom. Ah, je ne suis pas sûr que tu y arriveras. C'est notre ville après tout.
Enfin bref, moi c'est pas là. Moi je m'appelle Jeff et moi c'est Nez. Je leur donne aussi. Moi aussi mon nom, puis pas là, me montre du doigt. Tu es prête, Sable? Tu vas devoir fermer les yeux et compter jusqu'à 100. Défense de regarder avant, surtout tricher en oubliant le nombre. Non, c'est 100, ça fait beaucoup. Vas-y, on commence. Ferme les yeux, je commence à compter. 1, 2, 3, blabla, 58. Allez, 100. La connaissance d'Eyan qui fabrique des carrières en vent. Ah, je vois que tu es les carapaces, si femme avait promise. Tiens, voilà pour toi, c'est la moindre des choses. Au revoir, novice. Je pensais vraiment que c'était une bonne cachette. Tu es maligne pour une grande. Le compliment me fait plaisir. Bienvenue chez Calier à vêtements de tout genre. Je peux faire quelque chose pour vous? Parlez-moi de cette boutique. Il y a vêtements en tout genre, mais ma boutique, Kalia, c'est moi ou qui n'aurait pas saisi. Je suis venu en Ikria durant ma quête initiatique et j'ai trouvé une petite boutique de tanneur, mais elle ne marchait pas bien et je n'ai pas de mal à trouver un accord avec l'ancien propriétaire. Je ne l'ai pas depuis longtemps, alors j'apprends encore le métier, mais les gens semblent apprécier la qualité de mes marchandises. J'ai même commencé à vendre des tenues traditionnelles des Kriya. Depuis quelques temps, si tu en portais une, je suis sûr que les gens du cru te considéraient comme une de leurs. Bientôt. Soit ça. Enza, la machiniste, voyons ce que nous avons contre Enza. Quelle aurait pu être en mobile? Je lui explique qu'Enza devait de l'argent à des marchands, lesquels ont envoyé leurs sbires saccagés sur l'atelier afin de faire peur. Comment a-t-il procédé? Il connaissait le code de sécurité, il avait une carte magnétique. Il connaît les codes de sécurité, ça lui a permis d'entrer par la porte. Si tu veux parler. Je crois que plusieurs personnes auraient pu faire ça ensemble. Quelle aurait pu être leur mobile? Poser la perte des Kriya? Cela semble un peu crédible. Vu que nous avons plus d'électricité, nous cause de problèmes, c'est vrai, mais cette situation est temporaire. Donc la guerre Il détient cette énergie à la vie. Ça m'étonnerait, c'est une machiniste après tout. Et c'est... Comment elle s'est procédée? Elle comprend les machines.
On n'en fait pas automatiquement une coupable. Si je lui explique que quelqu'un est enrichi en augmentant les prix du marché suite à la coupure d'électricité, elle profite de la peur des gens pour s'en aller les poches. Ce pire samedi pousse un beau milieu de mon explication, me fait l'effet d'une touche froide. Je poursuis en lui disant que je ne pense pas qu'elle ait fait le coup, et même, elle a l'air encore plus résignée. La situation est compliquée, je ne peux pas arrêter. Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Même si tu avais des preuves irréfutables, ce qui n'est pas le cas, cette affaire ne débouchera sur aucune accusation. Mon excitation retombe subitement. Ai-je raté quelque chose ou bien n'avais aucune chance de réussir dès le départ? Parce que quand même, pour tout en être, la vie s'il vaut sans doute mieux que tu ne dises à personne que tu as découvert. Et une dernière petite chose pour te remercier. Prends soin de toi. J'ai vu les gens au poste des 7 sœurs pour savoir comment attraper les lucioles.
Et on continue le chemin. Là-dessus. Ouais, c'est ici. Poste des 7 heures. Livraison pour Akoa, génial, c'est la dernière fois que j'accepte ce genre de truc. Je déteste ces émanations, ça pique les yeux. L'humidité est insupportable et en plus je dois me traîner ce sac qui me passe les doigts, le dos. Par le masque de Roana, si seulement j'avais un aérocycle. Okay. Sans présence Daffy, l'aubergiste du camp, que puis-je pour toi? Tu aurais le temps de me donner un petit coup de main? Bonjour Sab. Bon. Il y en a pour la cave. Il y en a 10, une unité supportable. J'ai déjà vu ça. La machine se déplace lentement comme si elle passait le moindre de ses gestes. Me voyant arriver, elle se redresse et croise les bras, évaluant longuement mon regard. J'avance du pas le plus nonchalant possible pour essayer de lui montrer que je suis parfaitement décontracté. Elle me salue d'un brusque hochement de tête et je fais de même. Comment t'appelles-tu? Je suis surprise que sa voix soit si rappeuse. Je lui révèle mon nom et elle me tend la main. Sarah, qu'est-ce qui t'amène? Savez-vous où je peux trouver des lucioles?
Là, j'ai bien peur de rien pouvoir à ce sujet, mais l'aubergiste saurait peut-être répondre et dire au revoir à Zara. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cela me vaut un glissement aussi par la part. Qu'est-ce que t'as dit qu'il suffisait de demander pour en recevoir un? Si tu veux vraiment un insigne, je dois d'abord m'assurer que tu es indigne. Et je suis, je peux presque voir son sourire narquois derrière son masque, mais je ne sens pas vraiment moqueuse, juste amusée. À la moindre incitation à se voir, ça me plaît. Tu as déjà allé au plateau du cristal? Non. Est-ce que ta tête est glousse à nouveau? Dans ce cas, je m'en voudrais de te gâcher la surprise. Va là-bas, ramène-moi quelques cristaux de foudre. Apporte-moi-en 3, tu auras le temps d'insigne de mon côté. Je pourrais finaliser les pièces détachées sur lesquelles je travaille actuellement. Je cherche à tête, je vais vol de face pour m'en aller, mais elle me retient en raclant la gorge. Avant d'y aller, tu as déjà fait ce genre de choses? Vraiment? Je coule la tête en lui avant que je n'ai pas la moindre expérience pour ce qui est de récolter des cristaux, mais j'ajoute que j'apprendrai vite avec Glousse. C'est un travail dangereux. Avant de t'y essayer, pense à parler à toi, Tota. C'est lui qui dirige les récolteurs de cristaux, c'est un homme d'expérience ainsi. Tu le trouveras au pied du plateau, au sud-ouest d'ici. Laisse-toi guider de la foudre et tu trouveras. Très merci, bonne chance. Quelque chose qu'on a dit que tu en auras besoin. Je te dis au revoir. Ça finit jamais ça. Papillon cristal. Bonjour novice, que puis-je pour toi? J'ai toujours besoin d'aide, tu attends. Savez-vous où je peux trouver des lucioles? Tout à fait, il y a des grottes loin au sud-est d'ici. Et grouillent justement de ces sales bêtes. Ces sales bêtes, je les déteste, elles sont vraiment horribles. Mais malheureusement, elles sont aussi leur utilité. Alors, à force d'apprendre à les attraper, je lui demande si elle pourrait m'aider. Elle est prise d'un frisson de dégoût à hors de question, mais je peux tout de même te donner un conseil. Tu vas devoir les faire tomber de leur nid qui est accroché au plafond. Pour cela, tu vas avoir besoin de roches sulfureuses. Tu les notes? Je lui réponds que oui, mentalement. Donc, il faut que ces roches sulfureuses, une fois que tu les auras, jette-les dans l'eau. Elles dégageront une fumée qui décrochera les lucioles du plafond et les permettra de les récupérer. Plutôt que de les traumatiser davantage, je te remercie d'avance, je m'en aller. Je peux faire autre chose pour toi.
Allez à la grotte trouver des lucioles. Oh.
Ouais, c'est là-dedans quelque part. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu Table Life de la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!